La formation tourangelle n'aborde pas le match contre Metz en Coupe de la Ligue dans la meilleure des situations. Sans victoire et sans entraîneur titulaire, on pourrait même parler de situation de crise. Mais au TFC, les joueurs veulent encore croire en leur chance d'aller battre chez elles cette équipe de Metz, leader de National. Et tout le monde est conscient de la situation et les patrons, on les a. Les patrons, on les a. Et maintenant, voilà, il y a eu du changement. Maintenant, ça va pas, comme je vous ai dit, ça va venir. Ça va venir. Mais voilà, faut. On a, comme je vous l'ai dit, faut travailler davantage, chacun, et ça viendra. Après la défaite des Bleus contre Châteauroux 3-0, au bout d'une semaine à ce poste, l'entraîneur intérimaire renouvelle une partie des joueurs sur le terrain. Histoire d'amener un peu de fraîcheur et surtout de mettre tout le groupe face aux résultats. J'essaie de donner le maximum dans la préparation des matchs, dans le discours qu'on peut avoir, dans le contenu des entraînements. Maintenant, j'ai pas une baguette magique. Je veux dire que pour moi, ça se passe bien. Ça se passe bien avec les joueurs, il n'y a aucun problème. Ils ont l'air d'adhérer. Mais bon, seul le résultat compte. Et le résultat, c'est que Tours n'a pas droit à l'erreur. Une défaite serait synonyme d'élimination de la Coupe de la Ligue, alors qu'une première victoire permettrait à l'équipe enfin de se rassurer.